Le prochain patient, Monsieur Todoro Kishoto, c'est à vous. Alors, comment allez-vous depuis la dernière fois? Je peux plus le voir. Mon père est insupportable. J'en ai marre. Il ne cause que des problèmes. Figurez-vous qu'il a tenté de me colorer les cheveux en rouge pour être comme lui, alors que c'est lui qui a voulu que je sois comme ça. Et l'autre jour, il n'a rien trouvé de mieux. Écoutez, ça fait un moment que vous venez me voir. Comme je ne constate que ni vous, ni votre père ne faites d'efforts pour vous entendre, j'ai décidé de le convoquer à cette séance pour vous confronter. Vous avez fait quoi? Oh non! Chaque fois que j'arrive à quelque part. Toto, qu'est-ce que tu fais là? Je t'attends pour ton stage de super-héros. Monsieur Endeavor, Toto est venu pour cette séance pour me parler de votre relation père-fils difficile, voire inexistante en fait. C'est pour ça que je vous ai demandé de venir. Quoi? Une relation inexistante? Oh, ok. Plus qu'il ou deux fois. Peut-être trois. Voire quatre. Monsieur Todoroki, vous ne trouvez pas que c'est un comportement plus digne d'un vilain que d'un super-héros? Moi, un vilain? Non mais franchement... et c'est moi le méchant. C'est quoi ce bruit? Ah, quel hasard! J'ai fait bouillir de l'eau. Quelqu'un veut une tasse de thé? Non mais ça va pas. Vous ne voyez pas qu'il est déjà assez traumatisé comme ça, non? Écoute, Choto, on n'a pas besoin de ce rigolo pour régler nos problèmes de famille. Viens faire ton stage chez moi, on pourra apprendre à se connaître un peu mieux. Sans façon, j'ai pas besoin de toi. C'est Deku. Il est en danger. Je crois que je vais quand même avoir besoin de ton aide. Alors viens, mon fils. On va casser le vilain.